partie, j'ai Feuilles d'herbe, ici, de Whitman. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est de la balle, ça. Ça, si vous voulez lire de la poésie de Zinzin, Whitman, c'est vraiment stylé. Country rompiche, hein. C'est un petit Whitman, là, notre antique... Dans la multitude, cette ombre, mon image. Tu peux remontrer. C'est vraiment, pour le coup, très très belle, enfin très très connu. C'est un peu la même chose que les gens qui citent Baudelaire, tu vois, genre c'est... Ce mec-là, c'est la base. D'ailleurs, faut que je vous parle d'Elias, hein. On va parler de caca, ça va être incroyable. Non, je vous en parlerai tout à l'heure. Oh non, encore une mieux. Oh, flûte. Oh, big gains. Lux était rigolote. Je vais jouer autour de quoi? Ton prénom? C'est quoi ton prénom? Celui que t'as dit? Allez, dis, on verra. Elias, j'ai dit Elias. On parlera de Elias et de caca tout à l'heure. Et voilà, c'est vraiment extraordinaire. Bon. Annie Rompiche. Je fais des paliers avec une stab plus tard. Et ça peut être Yvonne du coup. Baguette sert un peu à rien. Ça devient nimp ce stream. À part les Elias et caca, voilà, c'est, ça fait rigoler parce que je suis retombé dessus en faisant le ménage et... J'ai relu un petit bout et voilà, je me suis dit, c'est vrai que... J'ai découvert ce truc il y a tellement longtemps et pourtant c'est tellement incroyable. Putain, mais c'est tellement une game Riven, what the fuck? Oh, vas-y, on retente. Hein. Je l'ai mal joué, mais on va la retenter. Cette fois-ci, ce sera mieux. Donc, on reprend les mêmes bases. On n'a pas de spat, mais... Ça devrait le faire. Donc, why not Corki, why not... Caitlyn. Garen 3. Ça peut, hein. Du roll au 6. Arrête de me taper, enfin! Mais voyons! Une belt! Oh, que oui, monsieur! Petite Riven, là? Petite Riven avec une... Faut qu'il je la prends. On verra plus tard les items. Il va me falloir deux cloaks. Son IEO, je sais très bien. Ça va pas être la même, les petits asticots. Ah, cette game-là, ça va pas être la même. Watch me edgelorder, là. Par contre, faut pas qu'elle soit en proc edgelord, parce que c'est vraiment du caca. Ou alors, on fait un 5 edgelord, mais... Et j'ai quand même une très bonne économie grâce à mon augmente. Mais du coup, j'ai pas pris l'augmente de board, quoi. Je peux slam. Pas longtemps, là.
Oh la good loss. Ok, faut qu'on heal la dernière. Ah, c'est bien nos scouts, nos pivots là. Mais bon, j'ai vraiment pris une augmente de merde par rapport à ce que j'aurais pu avoir, parce que Gifts from the Fallen, c'était incroyable pour Riven. C'est un peu chier d'avoir refusé ça. Mais bon, en vrai, c'est pas si grave. Je pense que l'important, c'est d'avoir le sourire, vous êtes pas d'accord? J'ai envie de grid un peu là. Comment on fait? Parce que lui, est-ce qu'il bat Riven? Je la mets tout devant probablement. Et je le mets là, je sacrifie. Génération sacrifiée. Et voilà hein. Bon, il a pumping up, on n'a pas d'augmente de board, ça va le faire. Poursuite, ça va. Oh là là, le bonheur. Imagine, on tue la Lilia. Non, j'y crois pas, ce serait trop trop de bonheur. Tue. Bon, pourquoi on a 4 Riven là? Pourquoi on a 4 Riven en 2-6? Le bug, quel bug? Quel bug? Corki 8 bits. Eh, en vrai. Il est bien, hein. Ah oui, le mannequin est score, je crois. Je sais pas pourquoi j'ai pensé au mannequin avec des emblèmes. Bah, le bug il est profitable pour toi, et oui, il y a encore. Il est profitable pour toi, le bug. Est-ce que je fais d'abord QSS ou est-ce que je fais d'abord Yvonne Shroud? Yvonne Shroud, c'est rigolo là tout de suite, quoi. Ouais, le bug marche encore, hein. Ouais. Au pire, il y a une Titan. Mais il faut une augmente de régen. Oh, les stacks de 8 bits, là. Oh là là. On a tellement de thunes. Alors, il nous faut quelque chose. Alors, bulk, pourquoi pas. Mais ça va plutôt être best range, je crois. Est-ce que je roll? J'ai quoi à roll? J'attends deux rounds. Est-ce que je peux tenir deux rounds? Ils sont pas si forts les gens, mais... Roll Riven 3. Oui, je veux Riven 3. Une bonne sortie, Murdoch ne banne pas. Ouais, t'inquiète pas que tu vas pas être ban pour ça. Pour le coup, c'est pas du bug abuse parce que c'est pas réellement de ta faute. En fait, le truc, c'est que c'est un bug tellement discret que tu peux très bien le faire sans le vouloir
et sans même t'en rendre compte. Genre il y a plein de gens qui s'en rendent même pas compte qu'il y a un bug. Et du coup bah tu peux pas vraiment ban les gens pour ça, tu vois. Y a pas une action délibérée de ta part pour faire ça, c'est juste quand tu cliques sur l'augmente ça fait ça. Si t'es pas au courant, bah t'as cliqué sur augmente, mais voilà. Maintenant c'est chill, hein. Don't worry. Samira élu, ouais, chiant, chiant. Des trucs chiants, globalement. Hein. S'il fallait dire les termes, c'est chiant, chiant. Chiant de fou. Bon, il nous faut une dernière augmente de board, ok? C'est quoi le bug? C'est que même si le mannequin meurt, tu peux quand même avoir les golds de l'escort quest. Parce que, en fait, le disco régène le mannequin au-dessus de zéro après qu'il soit mort. Un peu bizarre. Oh la Riven, les dégâts, le massacre dans la backlane là, boum! Boum! Bon, on va encore Keys. On a fait quelques stacks avec lui, il est très gentil. Oh, s'il y a une spat et qu'on a une spat là tout de suite, oh là là là. Bon, on cherche. Riven, Caitlyn, Viego, une Négatron, une Tyr et une spat. Si j'ai ça, j'ai gagné la game. Hein. Oh yes! Putain, yes! Even c'est broken sur ce patron. Non. Non, 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 c'est pas broken du tout. C'est fort. C'est fort si t'as une sortie. Hein. C'est pas, tu peux pas la forcer toutes les games et tout. Hein. Yone Crowd. Faut pas que je roll trop parce qu'il me faut. Je reste à 30. Il me faut. Ah mais non. Ok, ça ira. J'allais dire, il me faut quand même un peu de front. Il me faut impérativement. Un sentinelle là. Bon, j'ai juste à avoir une Riven élue. Un petit mort de Kaiser et on est au paradis. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle a full derp. Faut que je retrouve un Corki, faut que je trouve une Kate. Ok, bon, les deux bouffons coûtent très cher pour rien et j'ai une Riven 1 au lieu d'une Riven 2. J'ai un peu troll mon round. Transi mal passé. Mais globalement, on est bien. Ah, il faut vraiment que ce soit Riven 8-8 par contre. Hein. Ça, et en vrai, les deux, je les vends. Ils font rien. Pour un sentinelle! Merci. Est-ce que je prends lui? Oh non. Oula! Merde! Je suis un bouffon. C'est beaucoup. Ok, une dernière augmente de board, une Riven élu 8 bits et on est content. Mais là, ça veut dire qu'on peut plus avoir d'élu 8 bits pendant 4 rolls. C'est un peu chiant. On remonte l'écho et on y retourne après le PVE, j'imagine? Après, je prends lui, non? Le truc c'est que j'ai Riven 3 si je fais pas ça. Il est vraiment aux F. Par contre. Tac, tac. Et Bebou il est tout seul mais. La Kayle 3. On va enlever Kayle, on va enlever Corki, on s'en fout. Les autres on les garde. Alors, il nous faut une tire et... Ah. Pas loin. Ça fait bien gentil, mort de Kaizé.
Je voulais un petit Mordekaiser 2 quand même. J'ai le temps de me replacer. Bon, j'ai une Riven de trop, hein. Je vais pas la faire Natural 3 sans élu, c'est un peu bizarre. Elle fait des déplacements bizarres, vous avez vu, elle a fait un espèce de Michael Jackson là. Bon, si j'avais pris ouais, mais je pouvais pas savoir. Peut-être que c'était quand même l'autre 8 bits. Non mais elle va bien tomber. Après le 3, ouais, faut pas qu'elle tombe en Edgelord quoi. C'est quoi un Tyrese viewer? Ah, d'ailleurs j'étais... Putain! Non mais il nous faut un truc. Arma 6 c'est ok. Clear the crowd. On va dire massiste. Mais bon, infâme, j'ai besoin d'un avis là. Si je fais Riven 3 naturel sans élu, je le fais ou pas? Oui. Est-ce que je fais ça? Ça me paraît très bizarre à faire. Putain, si j'avais cliqué sur lui, j'aurais le 6-8 bits du coup. Parce que ça veut dire qu'il faut que j'ai un élu 8 bits, mais je peux prendre Caitlyn. Mais c'est forcément Caitlyn quoi. C'est un peu bizarre. Hein. Sûrement non. On est d'accord, hein. Je les vends. Oui, oui. On est d'accord. Stan Arcana. Bonjour. Bienvenue. Bon, on reparlera, mais à partir de... Donc là, on va jouer à Dark Souls vite fait. À partir de demain. On va faire un peu de speedrun. Et du coup, on va faire du speedrun de TFT dès qu'on reviendra sur TFT. Dans 3-4 streams. Donc fin de semaine prochaine, speedrun TFT, ça va être incroyable. J'ai des idées là. Oh là là. D'ailleurs, infâme, peut-être qu'on pourrait faire ça en... Mais putain, j'ai vu 14 Riven 3. Au secours. Bon, dès que je perds, je roll down. Du coup, lui, c'est Viego. Et en vrai, pour l'instant, c'est tout. Hein. Et ensuite, level up Kate. Ah non, on a même pas besoin de level up, mais il faut qu'elle passe 3. Elle passe 3, mais pas de la bonne façon. Un roll. Ah oh, putain. Deux rolls. Il fallait pas faire ça. Vous avez rien vu, j'ai pas fait de rôle. Si j'avais Riven 3, je serais tellement top 1 gratos là. On a quand même appris une grande leçon sur la game juste avant. On a vraiment appris une belle grande leçon. Il nous faut Even Shroud, hein, ouais. Vous me le laissez, les refs, en vrai de vrai. Faites pas les gamins. Vous êtes mes amis. Je suis last pick. Ah, les problèmes, ça. Sinon, une deuxième... Les problèmes! Ah, j'ai vu deux Lulu déjà, hein. Peut-être falloir arrêter de me... Hein? Bah bienvenue. Installez-vous confortablement. Oui. Bon, je vous l'annonce. Ça sent pas le printemps pour mes adversaires. C'est quoi cette free win? C'est pour compenser celle d'avant là, qui s'est un peu mal passée. Bon, je peux pas slam. Mais attendez, on va cash en fait. On peut cash, vous pensez? Non, ça va être trop court la game. On est trop loin. Alors, celle d'avant, c'est de ma faute, mais la Riven 3, on a eu du mal. Mais c'est de ma faute. Le spot était dégueu à cause de moi. On joue Garen 3. Non, j'ai oublié de le vendre parce que je suis en train de vous parler. Mais on joue pas Garen 3, normalement. Est-ce que j'ai pas ça, plutôt? Ah, c'est mieux, ça.
Alors, plaçons-nous intelligemment, donc c'est-à-dire avec intelligence. Putain, quand on va parler de caca juste après la game, là, oh là là, on va se régaler. Hein. Enfin, sans me parler du coup, mais... Non, non, on le vend, on le vend. Mais il a fait vaille 3, ce déglingo. Non, non, mais vous allez voir, ça va être incroyable. Je vais vous raconter des histoires. Vous allez vous dire, ah bon? So, ok. Ok, Balto, mais c'est bizarre, on parlait de moi, en fait, à l'instant. Donc, vu que j'ai besoin d'attention, tu fais pas ça, merci. Parle pas des... Oh! On met lui au... Ouais, ok, l'ambiance... On met lui, faut juste que je trouve un Mordekaiser 2 et on avance. Et on fait un 5 Edge Lord. Mais c'est caca 5 Edge Lord, pourquoi je voudrais faire ça? Attends, qu'est-ce qu'il fait là lui? Qui êtes-vous monsieur? Pourquoi vous voulez rentrer dans mon équipe? Est-ce que vous avez vraiment ce qu'il faut pour rentrer dans mon équipe? Je suis pas sûr. Hein. Merci d'être infâme. Sunflower. Je vais faire une Sunfire. Fuck it. Il va être très utilitaire, lui. J'ai rien à voir les deux cons niveau 2. Puis-je? Yone, j'aurais pas dû push autant parce que c'est 5 heures. Edgelord, mais... Non mais de toute façon c'est rompi, ça sera une Kiana ou un truc comme ça. Ce sera de la lège là. Oh la Poppy, elle a disparu mon pote. Bon, enfin elle a disparu doucement, mais elle a disparu. This is how you play Riven, guys. En fait, la technique pour jouer Riven, il faut faire Riven 3 naturel avant d'avoir l'élu et la refuser pour faire l'élu. Ça, c'est la vraie technique de filou. Oui. Donc, vous faites Riven 3, mais sans Riven, élu. Et à chaque fois que vous avez Riven 3, vous la refusez. Dès que vous êtes one-off, vous faites non, je la fais pas. Je la fais pas, comme ça elle a son bonus, et il y a le proc 8 bits. Non, je la fais pas. Hop, je regarde pas. Je la vois pas. Et ensuite c'est bon, vous avez gagné. La tech. Pourquoi j'ai Yorick? Oh, le 5 pentakill qui arrive. Oh là là. Oh non. Avec Samira? Fuck. Enfin, j'ai tellement pas joué avec Samira depuis longtemps alors que j'aimais trop. Tu as combien de bonus? 8 sur 10? Ouais. 150, c'est 8. Yep, yep, yep. Non, alors Thanatos, c'est que le bug, il marche pas tout le temps. C'est random, en fait. Enfin, je sais pas si c'est random, mais c'est pas... Non, mais le cache, c'est dead. C'est dead de fou. Oh, il va nous faire gagner des piécettes, lui. Peut-être. Non mais la Riven elle va aller tout déglinguer là-bas je pense. C'est ça la tech. Balto, let's go, merci pour l'obéi. Bon du coup je vous parlerai du projet de speedrun qu'on commencera la semaine prochaine sur TFT. Avec deux objectifs et ce sera du vrai speedrun avec le live split et tout. Hein. Le timer machin. Attention, on fait pas du faux speedrun ici. Vous allez me tuer ce Zach de merde? Si vous regardez la suite de nombres. T'es plus intelligent que tout le monde? T'es plus malin que tout le monde? C'est ça que t'essaies de nous dire, Balto? Ah, donc tu veux qu'on parle de toi maintenant? Eh bah super! Oh, blue buff sur lui niveau 2?
Après, un petit item Viegs. Mais vas-y, mais c'est quoi ce carreau de merde? Oh. Oh, le Viego Spellcrit du rompiche. Oh, le Viego Guardbreaker, vas-y. En tout cas, il est plus intelligent que moi. Non! 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 Ça va compter de 3 à 8. Alors déjà, juste. Voilà, comme si c'était donné à tout le monde. Et... voilà. Donc, calme-toi. Pourquoi méchant, Balto? Oh, ma Caitlyn 1, elle est trop trop big. En vrai, vas-y, je vais redéplacer la rival, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Balto l'arrogant, ouais, ouais. Non mais Balto, il aime bien nous regarder de haut. Il aime bien, c'est son petit plaisir coupable. C'est... il... je t'agresse pas, on est en train de parler de moi parce que je suis quelqu'un d'important. Et toi, t'arrives et tu parles de quelqu'un d'autre. Bah, c'est bon. Faut peut-être doser un peu dans la vie aussi, non? on peut reparler de moi, s'il vous plaît? Non, c'est bon. What the fuck, quoi. Oh là là là, comment je suis pressé de vous parler de caca. Mais attends, mais en fait... attends, mais j'ai mongolé en fait, c'est jamais arrivé cette scène où je suis tombé dessus et je l'ai lu tout à l'heure. Je l'ai plus ce bouquin, merde. Attends, mais Multi, c'est pas à toi que j'ai filé? Je te l'avais pas prêté ou un truc comme ça? Ah, mais FF! Le caca, bah la civilisation des mœurs de Elias. Mmh. Ou tu nous bullies, mais Oni, il faut se calmer. Je suis quasiment sûr que je l'ai prêté et je suis pas sûr que je l'ai prêté. À... parce que je t'avais filé le noiriel, la venin dans la plume, tu m'avais rendu. Mais je t'avais pas filé Elias. Non, mais ça m'étonnerait que je t'ai filé Elias. Je m'en rappelle pas. Non, je l'ai pas prêté. Je te dis des conneries en premier. Oh, Riven 4 je cherche quoi là? Je suis plus trop dans la game parce que. Y'a pas besoin, mais. Bon, vas-y, on fait ça. On met Gnar pour faire plaisir à Odin. Ça, on s'en fout. Monsieur Paul. Non mais attendez, mais j'ai plus là. Mais qu'est-ce que j'en ai foutu? J'avais plein de notes importantes dedans. Bah non. Bah du coup on va être obligé de lire Le Capital. Vous connaissez? C'est un petit auteur assez barbu. C'est le bouquin très rouge, juste ici. C'est le premier volume d'une série de 3 volumes. Vous connaissez ou pas? Viego 2, ouais, Viego 2, il arrive en patate. On sait peut-être plus Edgelord que Pentakill quand même. Le Capital 2, il est bien. J'ai pas lu la suite. Mais non, on reprend pas les streams de sociologie, mais je sais pas. Tout à l'heure, je faisais le ménage et j'ai repensé à Elias, donc J'étais persuadé de l'avoir relu vite fait des passages ou quoi, mais c'est dans ma tête parce que je l'ai plus en fait. J'ai paumé mon. C'est le bouquin avec qui. Enfin, qui j'ai tout découvert. J'ai découvert le caca et c'était extraordinaire. Non mais je suis con, attendez. Ou alors il est juste pas sur mon étagère, il est...
Ça, l'histoire, ça. Musique de Harry Potter, c'est. Bah, c'est. Je sais pas. C'est là, hein. On est là. Je sais pas ce qu'on fait, mais on est là. Hein. Mais non, mais putain! Sale histoire, bah oui! Ah, mais attendez, j'ai des notes quelque part sur un Word aussi là-dessus. Peut-être que je peux me servir de ça pour vous raconter une petite histoire de caca. Fais voir. Ta 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 ta. Est-ce que je l'ai? Ah ouais, mais je vais avoir un truc sur l'habitus, mais c'est pas intéressant. La différence de concept entre l'habitus hédiacien et bourdieusien, mais est-ce qu'on va vraiment. On va parler de caca, hein. Bon, on va parler de caca de tête alors. Ok. Bon. Donc avant de relancer, attendez, je vais vous montrer la tronche du zin et je vous raconte en deux, le caca, ok? Donc. Quand tu joues pas, tu gagnes. Bon. Arrêtez, hein. Donc regardez. Donc lui. Hop là, vas-y, on va sur son wiki. Donc lui, c'est un turbo BG. La dynamique de l'Occitan? Ouais, mais non. Moi, c'est le premier volume, c'est la civilisation des mœurs, c'est pas la dynamique de l'Occitan. Donc Odide. Voilà, donc ça, c'est Odide, ok? Donc ce mec-là, c'était un juif, tu vois. Un juif, et il était en Allemagne en 45, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pas en 45, mais dans les années 35, 40. Donc c'était pas terrible, du coup il s'est cassé en Angleterre, puis aux Pays-Bas, il a fondé diverses écoles, et c'est un sociologue, socio-historien, disons. Et donc sa spécialité, c'est donc son plus grand bouquin, c'est voilà, celui-là. Putain, mais je revois la couverture là, c'est le mien, c'est le mien de bouquin, mais vous m'avez dit pas, j'existe plus, attendez. Bonjour. Bonjour, double cam. Non, ok, une seule. Son nom de famille. Ouais, lui, il s'appelle Norbert. Donc bref, il y a ce bouquin. Et dedans, en fait, il explique le rapport entre tout un processus qu'il a appelé civilisation, au sens, dans un sens très neutre. Il n'y a pas de relation péjorative ou positive au sens civilisation. Comment est-ce qu'on a des réactions somatiques par rapport à un processus d'éducation de très long terme, un processus d'éducation intergénérationnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une époque, no joke, genre 18e siècle, c'était legit de chier dans sa main et de le faire sentir à son pote avec qui il était en train de marcher. Notez bien, c'est très important. Donc il y a 300 ans, tu faisais sentir le caca que tu venais chier à ton pote, normal. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un te fait ça, tu gerbes. Et lui, ce qu'il montre de très intéressant, c'est la manière dont notre psyché réagit à un processus d'éducation qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on faisait son petit caca et on le ramassait, on était là en mode belle pièce aujourd'hui. Ah, sympa. Et hop! Ça dégage. Et vraiment incroyable. Et donc il décrit. En vrai, c'est de la sociologie qui est très très accessible. Et en vrai, si vous voulez lire un truc de sociologie où vous n'allez pas trop galérer, ça se lit très très bien. Et il met beaucoup d'extraits de manuels d'éducation. Alors il a été critiqué parce que les manuels d'éducation s'adressaient évidemment à une élite. Et donc on s'intéresse pas tant que ça aux mœurs des classes les plus populaires. Mais. L'idée, c'est qu'il montre des trucs genre, par exemple, il y a une époque, genre, vous étiez à table et vous aviez une petite envie de vous moucher. Bon, vous faites comment pour vous moucher? Vas-y, à votre avis, comment on fait il y a 250, 300, voire 400 ans pour se moucher? Des fois, ça remonte plus tard, des fois, il remonte plus haut. Vas-y, comment on se mouche? Dans les doigts, la nappe? Dans la manche. Il y a de l'idée, il y a de l'idée.
Ouais, globalement, c'est un peu comme on le sent, quoi. C'est, on est à table, hop là! On est à table, hop là! N'importe où, c'est où ça dégage, en fait. Dès l'instant où le nez est dégagé, c'est avec son caca, excellent. Donc, vraiment, vraiment, ce genre de truc, vous voyez. Typical. Tu manges un truc. Ça te plaît pas de fou. Bon, imagine, t'avais un plat collectif. Vous voyez, vous êtes 15 à la table, il y a un giga plat collectif et on se le passe pour ramasser des trucs dedans. Déjà, on prend à la main. La fourchette, c'est un truc italien qui vient du 15e siècle. C'est tard, tu vois. Avant ça, donc on prend à la main, normal. Bon, on goûte. Bon, c'est pas bon. Bah, on recrache. Normal. Je veux dire, c'est pas bon ou c'est trop chaud ou je sais pas quoi. On va pas garder dans la bouche. On n'est pas des bêtes. Donc, hop là. Dans le plat collectif, sans aucune pression. Alors évidemment, on n'a pas encore découvert ou inventé, selon Latour, la bacille et donc Pasteur et les bactéries. Mais à ce moment-là, c'est legit. On est là, hop là, full détente, nom nom mon bout de viande est dégueulasse, hop, au suivant, voisin, ramasse mon bout de viande que j'ai mâchonné, si ça ne te dérange pas. Et de toute façon, vous le voyez avec les animaux. Les animaux, c'est pas un truc qui les dérange du tout. Ça m'est arrivé d'avoir des trucs où j'avais besoin de. Je voulais donner un petit morceau de bouffe à mon chat ou quoi. Bah, je croque d'abord pour le couper en deux et je lui donne l'autre moitié. Et il s'en bat bien les couilles. Et donc, nous, il nous explique que on était exactement comme ça et que. Civilisation des mœurs, donc un processus de 300-400 ans, beaucoup. Donc lui, il décrit la partie en Occident et le rapport au pouvoir que ça a pu générer d'un côté et le rapport à la psyché que ça a pu générer. Donc c'est un truc très macro, c'est une vision d'ensemble. Il étudie ce qu'il appelle en même temps que tout ce que je vous décris, comment il appelle ça, le monopole de la violence légitime. Donc par exemple la police. La police a le droit de vous taper, vous n'avez pas le droit de taper la police, donc l'État possède l'homme. Voilà. Et tout ça se met en place en même temps qu'on apprend à plus lécher son caca. Quand même intéressant. Et il fait un lien avec tout ça. Donc grave intéressant. Ça, c'est un bouquin, c'est une dinguerie. Et vraiment, c'est assez facile à lire parce qu'il y a beaucoup d'extraits où vous lisez le truc et vous dites, ah bon? Pourquoi ils faisaient ça, ces connards? Pourquoi? Mais hein? Pourquoi ils chiaient dans les rues, ces bouffons? Bref. Grave style. Voilà. Norbert Elias, La civilisation des mœurs, et si vous vous sentez chaud, la deuxième partie, qui en fait, dans le volume original en allemand, est en une seule partie, mais du coup, la dynamique de l'Occident, dont a parlé Multimeta juste avant. Et il a fait un truc sur le foot aussi. Il a fait un bouquin sur le foot, et sur Mozart, excellent. Le bouquin sur Mozart, excellent. Bref. Incroyable. Ouais, le langage est assez simple. C'est de la socio-histoire où ça peut aller. Genre vraiment. En fait, c'est. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend des manuels et il décrit et il essaye de les décortiquer. Donc c'est beaucoup moins verbeux, c'est beaucoup moins lourd que de la sociologie à la Bourdieu, saloperie comme ça, quoi. Bref, le jeu vidéo. On est là pour jouer au jeu vidéo. Hein. Donc si vous voulez lire un truc un peu rigolo et pouvoir flexer dans les repas de famille quand vous mangerez avec les mains en disant excuse-moi, mais tu n'as pas lu. La civilisation des mœurs de Elias, c'est tout à fait normal de manger avec les mains, espèce de gros bouffon, à votre oncle raciste. Voilà.